Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des femmes dont vous ignorez l'existence. Let's go. Certaines femmes sont célèbres. C'est soit parce qu'elles occupent un poste politique important comme Angela Merkel ou Hillary Clinton, soit parce qu'elles défraissent souvent la chronique comme Madonna. Il en est d'autres dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, elles sont plus qu'intéressantes. À vous de juger. Jyoti Amge. Jyoti Amge est une jeune femme de 22 ans, née à Nagpur, en Inde. C'est la plus petite femme vivante sur Terre. Elle souffre d'achondroplasie, une maladie des os provoquant le nanisme. En 2011, le jour de ses 18 ans, le livre Guinness des records lui attribue le titre de « plus petite femme du monde ». Elle mesurait sous la toise 62,8 cm et pesait 5 kg. Oui, 5 kg. Comme un bonheur ne vient jamais seul, elle a également appris ce jour-là qu'elle avait réussi ses examens d'études secondaires. Avant elle, la plus petite femme au monde s'appelait Pauline Musters, une néerlandaise décédée en 1895 qui mesurait 61 cm. Hallucinant. Maria José Cristerna. Maria José Cristerna est une Mexicaine qui aime bien qu'on la surnomme la femme vampire. Pour le fun, elle s'est arrangée pour avoir les dents de devant très fines et pointues. Elle s'est aussi fait mettre des implants métalliques sur le haut du crâne, ainsi que des tatouages terrifiants sur le corps. Faisant partie des vedettes du salon de tatou du Venezuela à Caracas, elle a été interviewée par l'équipe de TV de ITN. Elle a confié aux journalistes que ses modifications corporelles avaient pour origine son divorce avec son mari et pour but de l'aider à se sentir plus libre avec son corps. Cathy Young. Cathy Young est une américaine de 60 ans dont le dada depuis plusieurs décennies est le thigh lacing. Grâce à cette pratique, elle a aujourd'hui la taille la plus fine au monde, 38 cm. Son physique plutôt surprenant est souvent sujet à polémique. Certains bavent d'admiration devant sa taille de guêpe, tandis que d'autres ne manquent pas de la railler. Comme lors d'une émission télévisée dans l'émission de Tyra Banks qui s'est ouvertement moquée d'elle. Mandy Sellars. Cette jeune femme prend la vie comme elle vient. Même si elle souffre d'une maladie rarissime qui n'affecterait que 120 personnes dans le monde, le syndrome de Protée, cette maladie provoque une croissance excessive et asymétrique des membres. Mandy a dû se faire amputer à cause d'un risque de septicémie de sa jambe gauche qui pesait 31 kg. Mais au bout de quelques temps, son moignon a fait exploser sa prothèse. Sa jambe a repoussé et pèse déjà 18 kg. Julia Gnus. Julia Gnus est probablement la femme la plus tatouée au monde. Son corps est recouvert de dessins à près de 95%. Selon ses dires, elle aurait dépensé plus de 40 000 euros pour en arriver là. C'est-à-dire à graver sur son corps des photos des Sex Pistols et des tatouages des principaux personnages de Disney. Au total, elle s'est fait imprimer plus de 400 tatouages. À l'origine, le but de ces tatouages était de camoufler les cloques causées par une maladie de peau très rare. Mais par la suite, elle s'est prise au jeu et n'a plus arrêté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.